chose qui ressortirait, c'est du point de vue de l'escalade, je pense, c'est. Je trouve qu'en fait, elle est intelligente. S'il y avait un truc, c'est ça, c'est son point fort. Je pense qu'elle est intelligente dans ce qu'elle fait et dans comment elle se comporte. Et du coup, à mon avis, c'est une des choses qui font qu'elle est là où elle est aujourd'hui. Elle sait pourquoi elle fait les choses. Quand elle ne sait pas, elle va essayer de les comprendre. Le caractère d'Anouk, il est tel que... Elle a une ambition pour les Jeux qui est totale et elle s'approprie énormément son entraînement, sa préparation. Elle est au cœur du projet et là-dedans, elle est beaucoup dans le ressenti et elle a une bonne façon de transmettre un petit peu ce qui pourrait aller bien, pas bien. Et comment est-ce que, fonction de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle a envie, comment est-ce qu'on aménage au mieux les entraînements pour que ce soit optimum. Elle était jamais très loin de pouvoir faire des belles choses, mais ça fonctionnait pas toujours. Jusqu'au moment où elle fait une troisième place en Coupe du Monde à Chongqing. Et là, en fait, ça a vraiment lancé le truc et elle a commencé à faire des podiums beaucoup plus régulièrement et à être beaucoup plus performante, beaucoup plus régulière dans les performances. Donc là on va où Anouk ? Eh ben let's go à l'entraînement à TSF. Ouais, je suis grillée, il y a nostalgie. Ouais. Je suis arrivée à Waron, donc au début j'avais été interne. Après j'habitais sur Grenoble pour mes études. Et puis là, comme cette année chez Trail Light, j'ai pris l'appartement ici où je suis vraiment à 5 minutes du pôle. Donc ça, c'est sûr que pour l'entraînement, c'est idéal. Là-bas, bah, on a tout ce qu'il faut, hein. Les murs, la salle de muscu, l'émulation avec les copains, les entraîneurs. Donc pour ça, c'est sûr que c'est top. Où on peut continuer à solliciter parce qu'on ne peut pas vraiment dire que j'étais en charge. Enfin, je sais pas, Tibbs, parce que comment tu voyais les choses mais... Moi, sur les jambes, en fait, je vois... Bah, c'est ce qu'on avait prévu dans le planning. Hein. C'est que ça fait 2 semaines qu'on décharge, entre guillemets, les chevilles. Là, cette semaine, à partir du 25, on allait réfléchir à remettre un peu de travail de chevilles et de mollets. Ouais. Du coup, c'est un point aujourd'hui et ouais, a priori, c'est quand même positif. Depuis le mois de... Bah, nous, elle s'est fait opérer de la cheville au mois de août. Il y a eu une première phase de rééducation qui s'est plutôt bien passée. Et là, à partir du mois mi-décembre, fin décembre, il y a eu des nouvelles choses qui se sont un petit peu manifestées, on ne sait pas trop pourquoi. Donc des douleurs dans les deux pieds, un peu particulières, et on n'a pas forcément eu le... On ne sait pas pourquoi elles sont apparues, donc nous, on s'est un peu posé ces questions-là. Ça fait un mois, on a un peu tout remis à plat. Et bah, la solution qu'on espère être la bonne, c'est de revenir solliciter les chevilles et les pieds, mais de manière plus progressive que ce qui a été fait, on va dire, novembre-décembre. Où là, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu trop de contraintes sur les chevilles. Donc nous, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. On essaye de tout remettre à plat, de repartir un peu à un niveau très très bas de sollicitation. Donc c'était pas évident pour elle parce que les vacances de Noël, elle a passé 2 semaines à presque pas marcher. Donc ça, c'est compliqué. Donc pas marcher, mais ça veut dire pas grimper du coup. Et donc depuis là, ça fait 2 semaines où on réintroduit plein de petits exercices progressivement pour remettre de la charge, remettre de la contrainte sur les articulations et surtout hein, sur les muscles et tendons. L'idée, c'est de... Moi, je m'occupe principalement de ce qui est la partie bloc diff, notamment sa préparation physique des membres supérieurs. Et après, Thibaut s'occupe de la partie des membres inf. Et l'idée, c'est de donner un petit peu une logique à tout ça en vue des Jeux.
travail qu'on a fait, c'était d'arriver à isoler le départ dans la temporalité pour l'optimiser, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, elle ait son bloc de départ qui soit parfait et il n'ait plus besoin d'y toucher. Elle arrive quand même à continuer à aller à l'école. Donc ça, c'est quelque chose... Enfin là, en ce moment, elle y va pas directement, mais elle continue ses études, donc ça, c'est quand même beau. Ce que j'avais prévu à la base, c'est de faire les JO, donc été 2019, et puis faire ma dernière année de kiné, donc être diplômée là en juin. Mais comme ils nous ont décalé les Jeux, c'était pas possible de faire les deux la même année. Donc en fait, j'ai décalé ma dernière année complètement d'un an, parce que sur les années précédentes, j'ai beaucoup fait une moitié du E par-ci, un stage à mi-temps, et au final, c'était bien pour avancer, mais j'aimerais bien terminer correctement en faisant une année pleine. Donc là, cette année, c'est très light. Le travail que j'ai, c'est juste... en fait, je fais mon travail de recherche pour le mémoire de fin d'études. Et donc, c'est tout sur l'ordinateur. Donc, en fait, je peux le faire de n'importe où. Donc, pour ça, c'est vraiment pratique. Elle a des qualités évidentes, notamment sur les blocs dynamiques de coordination, là où il faut être capable d'accélérer très vite. Là où il faut être capable de générer beaucoup de puissance, notamment sur le fait de courir sur les skates, sur les pif-paf, sur ces choses-là. Elle a d'énormes qualités dès lors qu'elle arrive à comprendre les mouvements et elle a cette faculté à générer une telle puissance. Et, et l'idée qu'on essaie de travailler, c'est que comment est-ce qu'elle arrive à transférer cette énergie sur des blocs à coordination. Entre les qualités qu'elle a en vitesse, elles sont évidentes pour le bloc. Le temps, donc, c'était 7 secondes 32 qui est resté un record pendant quelques années, qu'elle a égalé l'année d'après sur la même compétition à Moscou, en Russie. Donc, il est resté quelques temps ce record-là et maintenant ça a baissé, mais Anouk, la grande championne qu'on peut connaître, est capable de pouvoir aller chercher ce record à tout moment et espérons-le que ça le fasse au jeu. Du coup, ça serait une belle, un beau pied de nez au record de pouvoir le battre à ce moment-là. Elle n'a jamais rien lâché, elle a toujours été dans la positivité de se dire quoi qu'il arrive, je pars du principe que j'aurai ma qualification, du coup on s'entraîne à fond là-dessus. Ma première réaction quand même à l'annonce du format, c'était c'est pas fait pour moi, quoi, parce que effectivement c'est très différent en termes de qualité, aussi bien technique, physique, et ça faisait des années que je faisais vraiment que de la vitesse. Et puis après, j'ai mis quelques temps, j'ai réfléchi, j'en ai discuté avec plusieurs personnes, et ça aurait quand même été bête de ne pas tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques. On arrivait quand même au bon moment, c'est un moment qui sera historique pour l'escalade, donc c'était un gros challenge de se lancer là-dedans, mais du coup on a bien fait de le faire. On se connaît depuis ses débuts en vitesse. Je la connaissais un petit peu avant, effectivement, sur le bloc. Mais on a fait quand même un bon bout de chemin sur les compètes de vitesse, sur les Coupes du Monde ensemble. D'avoir pris le pari de pouvoir
de pouvoir emmener des grimpeurs de vitesse, en tout cas sur les Jeux Olympiques, c'était déjà pas facile au départ. Pas grand monde croyait que ce soit possible. Mais là, du coup, qu'elle soit aux Jeux Olympiques et de pouvoir l'emmener avec tout le passé qu'on a pu avoir ensemble, c'est quelque chose vraiment de sympa qu'on va pouvoir partager. Et puis vivement que les Jeux arrivent et qu'on profite de ce moment ensemble tous les deux, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe de France.